Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sorti de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Au pied de son chalet, un père de famille est retrouvé mort dans la neige. Son épouse, Sandra, d'origine allemande, est accusée du meurtre. Stop. I did not kill him. Un huis clos. T'as pas pu les entendre s'il parlait comme maman. Entre les reliefs des Alpes et la salle d'audience. Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux? Non, I don't know. No. Une plongée dans les tourments d'un couple, sur fond d'enquête policière. Je pense que c'est un prétexte pour aller vraiment disséquer le moindre aspect de ce couple, évidemment dans ses parties solaires, mais aussi dans ses parties plus sombres. Justine Triet. Le film est primé au Festival de Cannes. Justine Triet est la troisième femme à remporter la Palme d'Or, après Jane Campion et Julia Ducournau. Cannes récompense un portrait de femme émancipée. Vous saviez que Sandra, comme vous l'appelez, était bisexuelle? Non. Enfin, c'est une personne, Sandra, dans le film, qui maîtrise sa vie. Elle a l'air d'être un peu trop libre, quoi, pour la partie adverse, quoi. I'm sorry to interrupt. I'm sorry. Portrait d'une héroïne touchante et ambiguë. La performance de l'actrice allemande, Sandra Hüller, fait planer le doute aux spectateurs de rassembler les pièces d'un puzzle tout en nuances. I'm innocent, you know that, right?